Eh bien, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour... Un nouvel épisode dans l'espace Pokémon Blue Team Platinum en compagnie de Mathieu. Comment ça va, Mathieu? Eh ben, ça va moyen, ma team est bof. Là, comme vous pouvez le voir, j'affronte directement le champion pour pas perdre de temps. Pour pas perdre de temps. Tous nos Pokés sont level 90 parce que la ligue, c'est ça. Le seul Pokémon dans ma team qui est ouf, c'est celui d'Icolo qui a Turbo et Dance Slam. Voilà, une bonne strat, évidemment. C'est un gros setup, quoi. Disons que c'est un peu un ninjas, quoi. C'est sympathique, quoi. On aime bien. Donc moi j'ai eu un Pokémon sympa à la Super Ken tout à l'heure parce que je m'ennuyais vu que Volk il devait entraîner ses Poké. T'es qui? Bah attends, en plus tu le sais, il essaie de vous faire tease alors qu'il le sait. Ah oui d'accord, non mais je me rappelle plus, merci, t'es marrant. Attendez, je vais vous le trouver, j'espère que j'ai pas mis trop de lumière chez moi, j'ai l'impression que c'est vachement lumineux. Si je fais ça, parce que déjà que je suis blanc alors en plus, j'ai pas envie, tu vois moi je suis un peu noir dans ma tête. Tu vois, ouais. J'ai mon t-shirt pour le prouver mais ça suffit pas, j'ai l'impression d'être vachement blanc. Je m'excuse en tout cas petit frérot, peut-être allumer la lumière. Pareil. Eh mon frère, je suis blanc, toujours blanc, je me marre. Je suis blanc, toujours la blanc. La vérité, tu la sais, c'est que les blancs savent pas danser. Je suis désolé pour la souris. Je suis une Iselle. Wesh, je l'ai jamais lu. Alors, Meganium aussi, il est très bon parce que c'est vraiment un fucking stall. Genre, il a mur lumière, aromathérapie, toxique synthèse. Il est pas marrant, mon truc. Toxic stall pas, quoi. Ah, je toxic stall, moi. Toxic Stalled. Ah, est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Je vais vous le trouver, les potes, vous inquiétez pas, je suis pas fou. Ok, j'ai gagné. C'est vrai? Oh, c'est bon, il est là! What? Arceus! Ah, voilà. Donc, je vais balancer une hyperball et je l'ai raté. Ah, il a force cosmique. Ah, c'est pas mal. Attends, j'essaie de l'attraper. J'en vois qui? Il est niveau 19. 19, un Arceus 19. C'est dommage que t'as eu qui à la place du coup dans cette zone. Il a résisté à gros gifle d'un Pokémon niveau 92. Sérieux? Il est niveau 19, il a fait force cosmique deux fois, il est resté à gros gifle d'Aéromite niveau 92. Ah ouais. T'es chaud quand même. Je crois que c'est gros. Oh, j'ai failli l'attraper. Encore 3 balles et on y va. 1, 2, 2 et demi, 3 et quart, 3 et demi, bougez les pas, bougez pas, c'est juste dommage, bon, je vais essayer Pokémon, on va faire la Ligue Pokémon. La quoi? La Ligue Pokémon. C'est la Ligue Pokémon. Donc je fais mon anglais à côté sur Télélangue, hein. Voilà, parce que j'ai rattrapage d'anglais, faut que je me connecte 10 heures sur mon téléphone. Voilà, donc on va parler un peu anglais. Donc je vous montre rapidement la team, les petits frérots. Alors on a Galopa. Les petits frérots, oui. Galopa qui a Lumière Attirance, donc vraiment un talent très important pour la ligue, qui me permet un petit peu d'attirer les Pokémon de l'adversaire. Ouais, c'est pas mal, on aime bien, on aime bien. Voilà, donc il a Bout de Feu, Rebond, Point Karaté, Déflagration, j'ai mis la pack Flamme. Il y a Squid du Ghetto qui a Surf, Rayon Signal, Laser Glace et Ultra Laser avec l'os en mer. Groton qui a Point Karaté, Séisme, Cascade, Surf avec les Sables Doux. J'ai préféré mettre Sable Doux que la plaque O. Je pense que c'est sympa de vraiment abuser de séisme. Tricker qui a Dracogriffe, Machouille, Vol et Pan Karaté avec Magic Nature qui peut être vachement intéressant. La Défaite qui a Crogif, Dracosouffle, Psycho et Bourdon. Mais comme il vient de rater un KO sur un Pokémon niveau 19, je suis pas très confiant. La Défaite. Histoire. Donc le Métallos avec Psycho de Boule, Point Météor, Pisto, Point Marteau, Point et le magnifique talent, Point le Fer. Donc voilà! Je pense qu'on est bon en vrai. C'est chaud, ouais. Donc, moi j'ai mis un de mes Pokémon entre 92 et 94. Attends, je vais juste apprendre Machination à Grayena et on est bon. Ok. Ouais, j'espère que j'ai tout ce qu'il faut. Je me tâte à acheter. Ouais, vas-y. Je vais acheter des guérisons. Quoique, non, je l'apprends pas. Kuba est plus intéressant que Machination. Ok, bah moi j'en ai acheté plein, mec. Hein. Ah ouais? Alors, moi je te dis ce que j'ai. J'ai 10 potions max, 2 max élixir, 2 élixir, 14 total soins, 30 guérisons. Une racine d'énergie, 40 hyper potions. Mais attends, j'achète des repousses. Voilà. Et un rappel max qui m'est sûr totalement utile dans le jeu. Mais d'abord vérifier ton aptitude à entrer dans la ligue Pokémon. Laisse-moi vérifier tes badges. Le badge. Ok, c'est bon. C'est qui le premier? Et quel type? Et enfin, le badge, je sais pas. Alors, pour vous informer, bon, je pense que vous l'aurez peut-être compris à la durée de l'épisode. Mais on fait une vidéo par champion. Histoire que vous ayez plus de vidéos et puis qu'on monte et qu'on garde le suspense. Je sais pas, c'est le mec bleu. Lui c'est insecte. Insecte? Ok. Insecte. Est-ce qu'il va avoir des Pokémon insectes?
Ouais, c'est ça la question. Bon, moi je sais pas. On va dire qu'il est insecte du coup. Hashim en premier. Bonjour et bienvenue avec Pokémon. Je suis Aaron. Tous mes Pokémon en rapace en fait. Ravi de te rencontrer. Je te préviens, je suis un grand fan des Pokémon de type insecte qui sont redoutables et magnifiques à la fois. Tu sais pourquoi je suis dans cette pièce, toujours prêt à relever un défi. Non, mais en fait, je me suis toujours dit, les champions d'arène, leur vie, c'est attendre dans une pièce. Oui. Bah, c'est pas mal après. Allez, Aaron, c'est parti. Alors, en tout cas, gros Pokémon, voilà. Donc, vraiment très très. Ah, niveau what 80. C'est pas du tout un type insecte. Attends, moi je place mes trois couches de picot, hein. Eh, il fait piège de rat. Mais non. Mec, on fait vraiment un match strat là. Piège de rock. Mec, je fais un match strat là, ça veut rien dire. Créfolé, ah tranquille. Ah, faut pas que j'accélère du tout par contre. Ouais. Ouais, faut pas, je pense. Ouais, viens, on accélère pas. Ouais, comme c'est déjà que ça dure pas très longtemps. Ouais, vas-y, ok. Ok, Machouille sur Créfolé, baisse de la défense. Ok, Créfadé. Point de glace. Alors, Créfadé peut avoir attaque de type feu. Donc, on va faire gaffe, on va envoyer. Il Créfolé et tout, ils ont les points feu, point glace, point éclair. Ouais, bah on va envoyer Grayena alors. On m'a fait point glace. Bon, heureusement, j'ai beaucoup de level d'avance. Ouais, moi aussi, c'est pour ça. Après, tu m'as dit que ça augmentait vraiment de façon. Oui, ça augmente vraiment de manière conséquente, donc c'est normal. Jirachi, waouh. Créfadé. Jirachi, comment vas-tu? Créfadé, je le vois bien avec aussi point glace. Hein. Comment vas-tu, Jirachi? Comment vas-tu, Jirachi? Je pense qu'on. Jirachi, j'ai peur qu'il ait point feu, mais on va quand même envoyer Fortress. Bon, j'avoue que les picots, ça fait vraiment le taf. Hein. Ah ouais, toi, ça te. Bon, attends, prédiction de Fortress et me dire qu'il a une capacité qui peut me tuer. Ok, merci. Qui, Créfolet? Non, la prédiction de mon Fortress, parce qu'il a prédiction. C'est vrai qu'il a bien attaque feu. C'est ma prédiction. Je vais quand même le soigner pour voir c'est quoi. Parce que si c'est point de feu, je pense que si c'est point de feu, il peut quand même bien le tenir. D'accord. Alors moi, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai déjà quasiment perdu un poké. Ok. Genre, c'est pris coup critique, non pas coup critique, c'est vrai, psycho, cage éclair, para, j'ai fait bon. On va te ramener. Ok. Ok, il spam tonnerre, je sais pas trop pourquoi, vu qu'il a une attaque de type feu apparemment. Après, prédiction, c'est pas. C'est pas si, le. Si, si, non, tu prédis qu'il a une capacité super efficace contre toi. Ah oui, mais tu prends que le feu en plus, non? Bah, c'est pour ça. Ouais, donc je prends que le feu. On va le soigner, parce que je pense que lui aussi va le faire. Ouais, il y a une dégâtaison qui vont pop, hein. En fait, j'accélère dans les moments où, genre, l'animation des restes, tu vois. Genre, je fais un petit tout petit coup d'accélération. Jirachi, je l'ai envoyé Barbicha. Jirachi en 4G était pas mal en vrai. Hein. Jirachi, il était chaud, hein. Jirachi, il était ban, hein. Il était ban, hein, il me semble. Non, je crois que c'était que sur Pokéleap qu'on l'avait ban. Mais même en. Oui, hein, je crois. Mais, j'ai jamais vu en tournoi 4G Jirachi. Hein. Ah ouais, bah, moi, il était pas ban en tout cas. Le séisme de gros ton. Enfin, il me paraît bien trop fort quand même. Bah, il a en SS, mon gars, il est solide. Bah, il a résistance spectre et ténèbres en plus. Enfin, il ouais, a. Enfin. C'est pour ça, genre là, je lui mets un représailles dans la gueule. Putain, ça me fait chier qu'il le prenne. En plus, j'ai plus que ça. Oh, yes. Le séisme qui. Oh, HKO. Alors, les PP vont bien nous faire mal aussi. Hein. Heureusement qu'on a de l'huile. Enfin, on a un tout petit peu, quoi. Ok, donc Jirachi est mort. Mew. Oh putain, sa mère. Mew, putain, en fait, c'est un champion type psy, en fait, le mec. Oh non. Bon, je suis désolé. On va garder boule. Putain, Zawardo. Bah oui, c'est Zawardo, lui. Je t'avoue que Palkia aurait été cool, quand même. Ok, moi, je fais bon. Ah, il fait feu follet, putain, c'est relou. En fait, le mec, il a que des Pokémon psy. Alors, c'est un champion type insecte. C'est totalement contradictoire. Alors moi je suis un mec de type feu, mais j'ai que des Pokémon haut. Hein, voilà, donc je suis un peu un mec. Oh, il a fait U-turn Créfolé, d'accord. Mew. Merde. Bah moi il m'a fait feu follet et U-turn là, je t'avoue. Ah, moi Mew il me fait peur un peu. Ok, point éclair, j'ai raté. Oh, en plus il a sécheresse son Créfolé, mon gars. Peut-être switcher quand même. Ça me paraît une bonne idée. Non mais mec, j'en ai 10 levels de car, on galère parce que c'était Pokémon légendaire. Oui, c'est ça. Moi j'aurais mon Karchakrok, mon Mamochon là. Oh putain, le 6 me serait parti en. C'est parti direct. Total soin. Ça fait chier la sécheresse là, j'avoue. Bon, pas trop de problèmes de mon côté, juste besoin de pas mal soigner, faire attention quoi. C'est un peu ça aussi, pareil. Ouais. Je vais dans Slam, on va tenter le. Là, le boule disco qui m'a l'air assez solide.
Ok, c'est bon. Franchement, Ludicolo, je pense que c'est vraiment mon main. Faut vraiment pas que je le perde, tu vois. C'est genre le poké qui va me faire gagner, je pense, ce poké. Ok. Bon, normalement, ça va, j'ai gagné là. Parce que, techniquement, t'as beau être n'importe quel Pokémon, si le mec en face est à +2/+2 en vitesse attaque, jamais tu résistes en fait. En plus, tu te places trop facilement. Oui, c'est pour ça. La vitesse se booste naturellement et le Sword Dance se met à +2. Donc, franchement... Ok, donc là, c'est bon. J'espère qu'on est pas trop au level, Mathieu. T'as gagné? Ouais. Il me reste plus que Celebi, moi. D'accord. Ok, Beckvry. Ok, c'est bon. Oh ouais, putain. Le combat, je suis... Ok, donc on va soigner la team. Ouais, on va soigner la team. Bon, les épisodes sont très courts. Mais... Voilà, c'est pour garder un peu le suspense. Ouais, c'est normal, quoi. C'est normal, on va pas tout faire d'un coup, tu vois. Ça, on va dormir, là. Là, on va se coucher, le lendemain, on se... Quelque bout de sa vie. Alors, je vais juste faire... ça. On les postera. Ouais, on verra. Donc ça, je vais soigner ma team. Donc hyper potion. Alors j'avoue que je me suis... En fait, je pense que c'est les niveaux qui ont joué. C'est les niveaux qui ont grave joué là. Est-ce que j'ai pas une potion? Ah bah nice. Enfin moi je t'avoue, j'ai quasiment perdu. J'ai failli perdre un poké donc... Bon, tant pis. Ouais. Oh j'ai des PP plus. Ouais, moi j'ai un PP max. Pour mater les PP au maximum. Pratique. J'ai envie de le faire. Attends, PP plus, je vais le faire sur. Bon, le problème c'est que. Alors, ce qu'on peut faire, au pire, Cisa, c'est histoire de se préparer. On voit les Pokémon qu'ils ont le prochain. Non. On voit pas, on se laisse. Triche pas. D'accord, ok. Je laisse là les gens. Ok, d'accord. Bah écoutez, les gens. À la prochaine. On a fait Aaron, on a perdu aucun Pokémon. Il ne nous reste plus que. Alors, elle s'appelle Terra. Non, je crois qu'elle s'appelle Terra, l'autre. Terra Farmars. Ouais, ta gueule. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a Lucio. Et il y a Cynthia, mais le champion feu, je m'en rappelle plus comment il s'appelle. Bref, merci d'avoir regardé cet épisode. On se dit. Sur Malfoy. À demain. Pour la Ligue. Pokémon. Ciao. Ta-da, ta-da-da. Au revoir.